pluriel. Juliette Kamde. Madame, Messieurs, bienvenue à tous dans le journal. Le secteur agricole foisonne d'opportunités. Production et transformation, mécanisation et irrigation, autant de domaines de création d'entreprises pour la jeunesse. Un capital humain formé et adapté, une politique publique forte, des défis à relever pour l'industrialisation en Afrique. Le sujet a été abordé hier dans les activités de la semaine de la CEDEAO. La Russie est prête à fournir à l'armée somalienne du matériel militaire dans sa guerre contre le terrorisme. Cette offre souligne l'intérêt croissant de la Russie pour le continent africain. Mécanisme de gestion des eaux pluviales, le directeur général des travaux publics, Ama Nayajakna, donne les raisons du débordement des bassins d'eau après les dernières pluies. Il est l'invité du journal. Nous recevrons également professeur Bello Mofu sur l'hypertension artérielle. Les autres rendez-vous du journal magazine Pluriel, les Échos du Palais et la revue de presse. Encore une fois, bienvenue à tous dans cette édition. Vous êtes jeune et désirez entreprendre. Le secteur agricole offre un potentiel indéniable d'opportunités. Mathias Gbegbeni. Quelle opportunité offre l'agriculture aux jeunes Togolais? Le sujet a retenu l'attention au lancement jeudi du Club Africa Développement Togo. Yodo Kossi Mawena, chef de division des cultures de rente et d'herbes diversification au ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, le Togo, disposant de terres fertiles propices à l'agriculture, appuyées par la politique du secteur qui concerne la mise en place des zones d'aménagement agricole planifié ZAP. Aujourd'hui, un jeune qui désire aller dans la production peut se trouver un espace de 5 hectares, par exemple, pour faire sa production. Nous sommes aussi dans la transformation. Le Togo fait de la production, mais plus de 90% est exporté à l'état brut. Ceci constitue un maillon sur lequel tout jeune peut se positionner aujourd'hui pour faire la transformation, ne serait-ce que primaire, ou pourquoi pas avancer de nos produits dans l'optique de l'agrandissement de la production. L'agriculture représente plus de 40% du PIB togolais et occupe près de 65% de sa population active pour une superficie cultivable évaluée à 3,6 millions d'hectares, soit 60% de la superficie totale du pays. Elle doit également être mécanisée et bénéficier de la culture d'irrigation. Il y a aussi la mécanisation. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut plus faire l'agriculture avec la roue. Et donc, on parle de la mécanisation, ça c'est des entreprises qui peuvent se créer. Et quand ces entreprises se créent, il y a des métiers, la maintenance, la prestation de services, une panoplie de métiers qu'on peut créé autour du secteur de la mécanisation. Notre agriculture est beaucoup plus pluviale et avec les efforts qui sont faits aujourd'hui, nous avons besoin d'une agriculture irriguée. Donc le domaine de la maîtrise de l'eau reste aussi un secteur vraiment d'opportunité dans lequel un jeune peut se positionner pour faire son entreprise agricole. Le Club Africa Togo Développement est un rendez-vous de réflexion dédié à la communauté des affaires engagées en Afrique. Il a pour objet de contribuer à faciliter les échanges régionaux entre opérateurs économiques et les débats relatifs à la coopération Sud-Sud. La BIDC, Banque d'investissement et de développement de la communauté CEDEAO, organise une semaine CEDEAO à son siège à Lomé. C'est pour marquer les 48 ans de la communauté. Hier, il a été animé une conférence sur le rôle des institutions financières pour le développement IFD dans la promotion de la croissance et le développement durable en Afrique de l'Ouest. Zolika Douabdala, directrice de l'Agence française de développement AFD, elle relève ici les difficultés liées à l'industrialisation du continent.
de développement industriel, vous devez bien sûr identifier dans quel domaine vous souhaitez développer votre industrie. On reconnaît, c'est que vous avez des facteurs de production dont vous devez disposer pour développer votre industrie, quel que soit le secteur. Et en l'occurrence, c'est l'importance d'un capital humain et d'un capital humain qui soit formé de manière adaptée en fonction du secteur que vous souhaitez développer. Et puis pour développer l'industrialisation, c'est avoir une politique publique forte, d'une part pour développer les facteurs de production et rendre accessible les facteurs de production dont vous aurez besoin, c'est avoir une stratégie forte pour pouvoir ensuite transformer et exporter votre production. C'est une stratégie et une politique publique forte parce qu'il faut créer cet écosystème, il faut créer un cadre favorable aux investissements. Et puis, c'est miser sur la valeur du continent, sur les atouts du continent et donner à savoir encore plus l'intérêt qu'il y a à investir sur le continent. Zulika Bouabdala, directrice de l'Agence française de développement AFD. Le pain est célébré. L'Association des boulangeries industrielles et artisanales du Togo a animé une conférence de presse hier autour du thème « Comment revaloriser le pain et promouvoir la production locale » pour marquer l'événement. Odette Pira nous en parle. La Bia Togo, à travers cette conférence, met la lumière notamment sur le savoir-faire des boulangers et célèbre leur apport dans la transformation et l'économie du pays. L'association saisit l'occasion pour plaider pour la mise en place d'une centrale d'achat en vue de réduire le prix des farines locales. Boma Baronda, président de la Bia Togo. Aujourd'hui, avoir le prix de 50 kilos de farine de blé, on ne peut pas comparer au prix de 50 kilos de farine locale. C'est impossible. Un kilo à 1000 francs. Alors, si vous voulez 50 kilos, il faut débourser 50 000. Alors qu'au Grand Moulin, 50 kilos, on est autour de 28 000. Il n'y a pas match. Donc, nos responsables doivent rassembler toutes ces transformatrices, faire un central d'achat et pouvoir transformer cette farine-là en quantité. Aujourd'hui, le pain aux céréales du Togo coûte plus cher parce que le prix du céréal, de la farine, c'est pas donné à tout le monde. Moi, ça me fait mal que dans ma boulangerie, c'est des autorités qui viennent acheter ces pains, alors que c'est un pain qui devait être à portée de toute la population. Pour booster le pain, certains boulangers utilisent notamment du bromate de sodium, une substance cancérigène. Doué Bruce, ancien président des boulangeries et pâtisseries du Togo. Si je prends notre coopération, il y a certains, effectivement, qui continuent d'utiliser ce dont vous appelez améliorant en négatif, c'est-à-dire c'est du bromate de potassium, que les gens, c'est un produit chimique que les gens ajoutent au pain comme additif, qui gonfle le pain pour avoir un peu plus. Alors, pourquoi les gens veulent avoir un peu plus? Parce que le prix du pain, le poids du pain, ne font pas l'affaire, et certains, pour gagner un peu plus, mettent ce genre de produit dedans, mais à la longue, c'est pas bon pour eux-mêmes, mais ça joue sur la qualité du pain. Donc, vaut mieux essayer de faire du pain de qualité avec les produits qu'il faut pour faire un pain de qualité, mais ça aura un coût. Plusieurs céréales entrent dans la fabrication du pain au Togo. Une caravane et une messe d'action de grâce sont au programme demain dimanche. Odette, le manioc, le sorgho, le maïs et l'igname sont utilisés dans la fabrication du pain. Mais le coût élevé de ces farines, nous l'avons vu dans l'élément précédent, ralentit l'activité des boulangers. Quelle est donc la part de ces produits locaux qui entrent dans la fabrication du pain? Dispose-t-on actuellement sur nos marchés des pains 100% produits locaux et quelle est la qualité de ces baguettes? C'est dans ce dossier. Les baguettes de pain sur nos marchés ne sont pas toutes de bonne qualité. En effet, certains boulangers utilisent du bromate de sodium, une substance toxique. Comment reconnaître ces pains sur le marché? Doué Bruce, directeur général de la boulangerie Bon Samaritain. On dit de vendre le pain à 100 francs. Vous le vendez à 70 francs. Quelle magie vous faites. Donc, en tant que consommateur, vous avez un rôle à jouer aussi. Vous, quelqu'un, vous voulez de moins cher. Pensez à ce que la personne a utilisé pour faire ce pain. Sinon, c'est pas possible. Moins cher, paillot comme ça, c'est que la personne est en train de travailler. Il gagne quoi? Sur une sac de farine, la personne peut gagner 30 pains de plus. Mais le matin jusqu'au soir, vous allez voir ce genre de pain, c'est déjà plat comme ça. Il n'y a rien dedans, c'est de l'air. Ça a une odeur et c'est pas bon pour la santé. À la longue, vous créez des maladies. Existe-t-il des pains 100% produits locaux? Bouma Baronda, président de Bia Togo, répond. Il faut toujours un peu de blé et un peu de ce produit. Parce que
D'abord, le pain, c'est pas un produit totalement africain, ça vient d'Europe. Et ce que le blé contient, nos céréales n'ont pas les mêmes composants du blé. Ce qu'il faut une panification de tout ça. Malgré le coût élevé des farines, on dispose de plusieurs dérivés de pain sur nos marchés. L'ATC, l'Association togolaise des consommateurs, s'est aussi prononcée. Benetti Gagalo, vice-président de l'ATC. Nous ne cessons de sensibiliser les boulangers et les boulangères à cesser d'utiliser ces améliorants parce que c'est cancérigène. Donc, pour vous dire, certes, il y a des pains de qualité, mais d'autres continuent toujours d'utiliser ces améliorants qui sont interdits. La communauté internationale observe ce 27 mai la journée du jeu, une activité physique ou mentale pratiquée aussi bien par les enfants que par les personnes adultes. Il existe plusieurs types de jeux parmi lesquels les jeux vidéo. Ces derniers intéressent beaucoup les enfants. Edmond Sogba, qu'est-ce qui motive les enfants dans la pratique des jeux vidéo ? Les enfants s'intéressent aux jeux vidéo pour plusieurs raisons, chercher de l'argent pour certains et se divertir pour d'autres. J'appelle mes amis, on fait des compétitions. Ça me prend 20 minutes. Je dépense 300 pour le football. En fait, pour me faire plaisir, pour me distraire. Nous venons ici pour gagner un peu d'argent en faisant Konami. On mise entre nous l'argent là. Si c'est 100 francs, 100 francs, qui va gagner là-bas prend l'argent. Cette pratique des enfants est diversement appréciée dans la société. Nathalie, mère de famille, est contre les jeux vidéo. Il y a de ces enfants-là, lorsqu'on leur remet l'argent du petit déjeuner, ils vont dans les vidéoclubs pour jouer Konami à des jeux PS. Ils reviennent à la maison sans manger. Donc, c'est pas très intéressant, quoi, parce qu'il n'y a pas un suivi là-bas. Par contre, pour Hervé, père de famille, il favorise l'ouverture d'esprit de l'enfant. Il y a des choses qui se passent dans la vie et on illustre ça par des jeux vidéo. Donc les jeux vidéo, c'est comme un dictionnaire de la vie qui nous donne quelques exemples pour pouvoir mieux se conduire dans la vie. C'est des jeux qui ouvrent l'esprit. Les jeux vidéo paraissent bénéfiques. Cependant, ils présentent aussi des inconvénients, dont l'addiction reconnue par l'OMS. Dr Dogbe Zinsou, psychologue au CHU Campus. Ça permet à certains de développer des capacités intellectuelles. Il y a des inconvénients liés à la pratique des jeux vidéo. Le tout premier, c'est un trouble mental que nous appelons l'addiction comportementale. L'abus de toute chose est nuisible. C'est vraiment de limiter le temps d'exposition aux jeux vidéo. Jouer les jeux vidéo trop longtemps n'est donc pas conseillé. Enfants et jeux vidéo, puis enfants et réseaux sociaux. Les enfants ont-ils droit d'avoir des comptes personnels sur les réseaux sociaux et pour quelle utilité? Élément de réponse dans ce magazine de Sikalor Ngani. Présentation Nabara Nafara Noudar. J'allais sur TikTok, mais maman m'autorise de faire le TikTok, mais pas souvent. Moi, à la maison, on ne m'autorise pas même à utiliser du téléphone pour aller sur Instagram et tout ça là. On me dit souvent que c'est pas bon. Mes parents ne m'autorisent pas à avoir les comptes sur les réseaux sociaux parce que ça nous gâte, ça nous déconcentre sur nos études. Bon nombre de parents n'adhèrent pas à cette idée que leurs enfants aient des comptes et soient actifs sur les réseaux sociaux. Autoriser un enfant de 0 à 15 ans de s'inscrire sur les réseaux, je ne sais pas à quoi ça sert. Je ne vois pas que c'est une bonne éducation. Sur les réseaux sociaux, on voit même presque tout. Un enfant de moins de 20 ans va être sur les réseaux sociaux, c'est inadmissible. L'accès précoce des enfants aux réseaux sociaux n'est pas sans effet. Binoa Ladoué-Kobi, psychologue de l'éducation à l'université de Lomé. Le premier inconvénient est que l'enfant vit des troubles liés à la concentration. C'est-à-dire qu'un enfant qui a accès régulièrement aux comptes sociaux est partagé entre deux mondes. Il y a d'une part le monde virtuel auquel il a accès à travers ses différents comptes sociaux et d'autre part maintenant le monde physique et réel qu'il est en train de vivre. Il y a également des troubles relationnels que l'enfant vit dans son entourage. Le troisième trouble, c'est le fait même d'être dépendant à ses médias sociaux. Il y a aussi les troubles liés à la gestion de son temps et notamment les troubles liés au sommeil, les troubles liés à la mémoire et autres. Tout ça, ça entraîne en somme l'échec scolaire, l'échec de rendement de l'enfant dans ces différentes compétitions, notamment à l'école. Les réseaux sociaux font partie intégrante de la vie aujourd'hui et quels que soient les risques, on ne peut s'en passer. Quelle doit être la participation des parents dans cette lutte?
Retrouvons le psychologue. Les différents portables que nous avons aujourd'hui sur le marché au Togo sont équipés d'une fonctionnalité qu'on appelle contrôle parental. Donc à travers cette fonctionnalité, le parent peut de loin d'abord savoir quel média social autorisé et ensuite de loin essayer de voir ou bien d'avoir une idée sur les différents contenus auxquels l'enfant a accès dans son téléphone à travers ces médias sociaux qu'il a installés dans le téléphone. L'éducation, la communication ouverte et la surveillance attentive sont des éléments clés pour assurer la sécurité et le bien-être des enfants dans l'ère numérique. La coordination, la réunion de coordination et de partage de fréquences radio-électroniques entre le Togo et le Ghana a pris fin hier. 3 jours de travaux pour pencher sur les approches de solutions et perturbations téléphoniques dans les zones frontalières entre les deux pays. Lomé et Accra se sont donc séparés sur une note de satisfaction. Martial Dossa, directeur du spectre des radiodiffusions et des postes à l'ARCEP. L'une des décisions phares a été la limitation des signaux qui pénètrent sur les territoires des uns et des autres à travers les seuils qui avaient été préétablis. Une des avancées majeures aussi a été la revue de la méthodologie que nous utilisons pour conduire les mesures aux frontières. Donc nous avons essayé de mieux l'adapter à ce que vivent les consommateurs. L'actualité internationale, la Russie est prête à fournir à l'armée somalienne du matériel militaire dans sa guerre contre le terrorisme. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a fait cette offre après des entretiens avec son homologue somalien, Abshir Omar Jama, à Moscou. Le chef de la diplomatie russe a déclaré que Moscou a réaffirmé sa volonté de répondre aux besoins matériels de l'armée somalienne dans sa lutte contre les extrémistes qui restent sur le territoire somalien, notamment à Al-Shabaab et à Al-Qaïda. L'offre souligne en outre l'intérêt croissant de la Russie pour le continent africain qui éclipse l'Occident dans les pays en conflit. Le géant français de l'énergie Total Energy a défendu sa stratégie hier après que la police a gazé des militants du climat devant son assemblée annuelle et que le gouvernement français a exhorté l'entreprise à accélérer le passage aux énergies renouvelables. La manifestation couronne une série de réunions d'actionnaires tumultueuses dans les grandes entreprises européennes, alors que les militants intensifient la pression sur les entreprises pour qu'elles réduisent leur empreinte carbone. Et puis l'ex-ministre mozambicain des Finances sera-t-il extradé vers les États-Unis? En tout cas, près de 5 ans après avoir été arrêté en Afrique du Sud, Manuel Chang a perdu un dernier appel devant la Cour suprême et risque une extradition vers les États-Unis. La Cour estime qu'il n'y a plus de possibilité raisonnable d'inverser la décision de la Haute Cour datant de 2021. Celle-ci, en effet, avait annulé une décision du ministre mozambicain de la Justice, Ronald Lomala, d'extrader Manuel Chang vers son pays d'origine. Invité du journal, le directeur général des travaux publics, Ama Nayajakna, donne les raisons du débordement des bassins d'eau après les dernières pluies. Il répond aux questions de David Tchakbera. Bienvenue à toutes et à tous. Avec les dernières pluies que notre pays a enregistrées dans la capitale togolaise, quelques bassins de rétention d'eau dont dispose notre capitale aujourd'hui ont débordé. Pour comprendre la situation qui s'est produite à proprement parler, nous recevons pour vous le directeur général des travaux publics en la personne de M. Ama Nayajakina. Monsieur le directeur général des travaux publics, merci de nous accorder votre disponibilité et bienvenue. Merci monsieur Tchakbera, merci Radio Lomé. Récemment, les dernières pluies qui sont arrivées, il y a eu un peu de débordement ici et là des bassins de rétention d'eau. Et nous sommes là justement pour parler de ces bassins de rétention d'eau. D'abord, nous voudrions vous demander à savoir comment est structurée la collecte des eaux pluviales dans la capitale togolaise, Lomé. Encore une fois, merci. Et les eaux pluviales qui tombent dans la capitale Lomé et sont collectées par plusieurs ouvrages tels que les caniveaux, les égouts, les collecteurs ou canaux, les bassins de rétention d'eau. Et ces eaux sont refoulées
dans les cours d'eau ou la lagune et enfin dans la mer. Et enfin dans la mer, si le système de collecte est organisé comme cela, quelles sont les raisons principales des récents débordements de ces bassins de rétention d'eau que nous avons le privilège d'avoir dans la capitale togolaise? Bien, et parmi les ouvrages de collecte d'eau que je viens de citer, les bassins de rétention retiennent notre attention pendant cette saison pluvieuse parce que les eaux de quelques bassins ont débordé à la suite des récentes pluies. Un bassin de rétention d'eau pluviale est un aménagement qui permet de recueillir les eaux de pluie qui tombent dans un périmètre donné appelé bassin versant. Alors, selon la configuration et le relief du bassin et de la décharge finale des eaux, le bassin peut être conçu pour que le trop-plein d'eau coule gravitairement vers la décharge finale. C'est le cas du bassin de Agbalepiedougan ou peut être équipé d'une station de pompage lorsque l'écoulement naturel du trop-plein n'est pas possible. C'est le cas du bassin, par exemple, de Caméléon. Pour la ville de Lomé, la plupart des bassins sont équipés de stations de pompage. Revenons au bassin dont le niveau d'eau a affleuré ou dont les eaux ont débordé à la suite des récentes pluies. Il s'agit du bassin du lycée technique d'Adidogomé, de Cap Adidogomé, d'Avenou, de Léo 2000, de Caméléon, de Deux-Lions et de Todman, qui sont en fait conçus pour fonctionner par pompage en cas de trop-plein d'eau. Mais malheureusement, à part les bassins de Caméléon et de Deux-Lions qui sont dotés de pompes, les travaux d'aménagement donc des autres bassins ne sont pas complètement achevés avant cette grande saison des pluies. Et les pompes sont bel et bien livrées et leur assemblage est en cours. Donc, l'inachèvement des travaux, le manque de pompage, l'envasement des fonds des bassins, la quantité importante de pluie enregistrée, la montée du niveau de la mer et de la lagune expliquent en partie ces débordements. Donc, quand vous dites envasement, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par envasement? Parce que l'expression semble un peu technique. Voilà, l'envasement parce que, vous savez, les bassins sont alimentés par les caniveaux, les collecteurs. Donc, ceux-ci charrient des ordures ménagères, charrient de la terre de décharge, disons, issue du balayage des ménages. Et c'est tous ces éléments qui se déposent dans les fonds des bassins, réduisent la capacité des bassins et occasionnent donc des débordements. Monsieur le directeur général, par rapport à cette situation que vous venez de nous décrire, quels sont les facteurs qui ont concouru ou qui ont contribué à cela? Si je prends le cas du bassin du lycée technique de Cap Adidogomé et de Todman, c'est que les travaux ne sont pas complètement achevés. Les cuvettes même, les bassins doivent être curés encore. Bon, disons la cuvette du lycée technique est complètement achevée. Là, il ne reste que la bâche à eau qui doit contenir la pompe dont les accessoires sont en cours de montage. C'est pareil pour le bassin de Cap Adidogomé, où la pompe est en cours de montage également, mais dont les travaux de curage de la cuvette ne sont pas complètement achevés. Il reste encore de la terre à enlever, parce que ce bassin existait, mais on a pratiquement doublé sa capacité. Ensuite, pour le bassin de Todman, il reste encore le curage à faire, en partie, pas une grande quantité. Et là, c'est un grand bassin qui fait à peu près 200 000 mètres cubes et dont le montage aussi de la pompe est en cours. Alors, la quantité de pluie qui dépasse le seuil des 50 mm de pluie pour la ville de Lomé explique aussi en partie ce débordement. Ce niveau, cette quantité de pluie enregistrée par la météo est récente et donc a contribué énormément à ce que nous ayons des eaux complètement à la surface qui ont stagné un peu partout dans la ville. Actuellement, quelles sont les mesures que les pouvoirs publics prennent pour résoudre un tant soit peu ce problème et prévenir éventuellement de futurs débordements dans la gestion des eaux pluviales à Lomé? Alors, pour résoudre le problème, le gouvernement a anticipé depuis des années en prenant des mesures pour assainir progressivement les zones critiques de la ville de Lomé par la construction des ouvrages adaptés, dont le quatrième lac par exemple, et les bassins et aussi les autres ouvrages de drainage et d'assainissement.
en plus de l'agrandissement des bassins du lycée technique d'Adidogome, de Cap Adidogome et de Todman, il est prévu une station de pompage par bassin, équipée de deux pompes de grand débit de 3600 m3 par heure et d'un groupe électrogène puissant pour assurer la continuité du pompage en cas de coupure de l'électricité fournie par la CET. Donc l'assemblage, je le disais tantôt, des accessoires de ces pompes est en cours. Les conduites de refoulement des eaux sont déjà enfouies. Mais en attendant le fonctionnement de ces stations de pompage, avec l'aide des sapeurs-pompiers et de l'Agence nationale pour la protection civile, il y a eu l'installation des pompes de surface extérieure qui sont actuellement en train de pomper l'eau pour la refouler au niveau de la lagune. En guise de conseil, afin de minimiser les risques d'inondation dans les différents quartiers que vous venez de citer, comment les citoyens peuvent contribuer à leur manière à cette démarche que vous venez de nous lister? Merci beaucoup. Vous savez, la ville de Lomé a un relief qui ne permet pas l'écoulement facile des eaux. Elle est quasiment sur un terrain plat. C'est pour ça que nous conseillons à nos concitoyens d'éviter d'acquérir et de bâtir dans les zones de dépression naturelle qui devront être plutôt protégées parce que les zones marécageuses sont nécessaires pour les besoins de construction d'ouvrages d'assainissement. Il faudrait également éviter de bourrer les caniveaux ou tout autre ouvrage d'assainissement d'ordures ménagères qui finissent par envaser les fonds des bassins avec pour conséquence la diminution de leur capacité en termes de volume. Monsieur Amma Nyayadjakina, vous êtes le directeur général des travaux publics. Merci. Je vous en prie, monsieur Tchakbera, c'est moi qui vous remercie. Les gens qui ont vu l'eau envahir leur maison ont certainement été inquiets. L'inquiétude est source de stress et le stress peut créer l'hypertension artérielle. De l'hypertension artérielle, Alice Berthe Barandao et son invité, professeur Bello Mofo, nous en parlent. Quelle est l'importance de la journée mondiale de l'hypertension artérielle pour vous, les neurologues? C'est cette journée qui est dédiée à l'éveil des consciences dans nos populations par rapport à l'hypertension artérielle, qui est une maladie chronique dont les conséquences sont lourdes et parfois dramatiques. Pour éveiller les consciences, comment? Rappeler à chaque personne que l'hypertension artérielle est une maladie qu'on peut maîtriser, mais également c'est une maladie qui tue, c'est une maladie qu'on peut éviter. Éveiller la conscience de nos populations par rapport à la prise de la tension artérielle, pas seulement par le personnel de la santé, mais aussi par les populations elles-mêmes. Je donne comme l'exemple, nous sommes dans un couple, le mari et l'épouse, qui peuvent avoir un appareil à tension à la maison, qui peut se prendre la tension au moins une fois par semaine, ou bien au moins une fois l'an, même si l'hypertension n'est pas une maladie qui les préoccupe. C'est ça. Alors, qu'est-ce que donc l'hypertension, si on revient aux définitions basiques? Alors, l'hypertension, c'est une maladie chronique, comme j'ai dit, qui concerne le cœur et les vaisseaux. On parle d'hypertension quand il y a un chiffre pris lorsque on a certains signes ou bien de manière fortuite. Alors, c'est la mesure de la tension artérielle au niveau du bras. Et donc, lorsqu'on mesure à une ou deux reprises dans les conditions normales, assise au cabinet ou bien couchée le matin, que cette pression dépasse 140 mm de mercure, c'est-à-dire 14 cm, ou le chiffre le plus bas, 90 mm de mercure, 14,9, comme on le dit souvent. Lorsque ça dépasse, on parle de l'hypertension artérielle. Ça peut aller jusqu'à 20. En ce moment, ça devient très sévère. Donc là, l'hypertension, c'est la valeur donnée lorsque la mesure de la pression artérielle dépasse les 140 mm de mercure en systolique, donc la tension haute, et 90 mm de mercure en diastolique, donc la plus basse. Précisez-nous, quand est-ce qu'on peut déclarer une personne hypertendue? On peut déclarer une personne hypertendue si la prise de la tension au moins deux fois
dépasse cette valeur seuil dont on a parlé tout à l'heure. Deux fois consécutifs, par exemple deux jours qui se suivent, on peut déclarer la personne. Mais également, on peut la déclarer lorsque la mesure ambulatoire, c'est-à-dire on place un appareil sur le bras de la personne sur 24 heures ou sur 72 heures et que cette mesure révèle des montées de tension artérielle consécutives à la maladie qui était là, non connue ou connue. Alors, l'hypertension est une maladie chronique qui fait des ravages ces derniers temps, vous le confirmez. Quels sont les chiffres donc ou les données au Togo? Alors, l'hypertension artérielle fait des ravages, je l'ai dit tout à l'heure. En 2021, avec l'aide de l'Organisation mondiale de la santé, le Togo a réalisé sa deuxième enquête nationale, donc qui concerne l'ensemble du territoire sur les populations de 15 à 64 ans. Au terme de cette enquête, il s'est avéré que l'hypertension est présente dans 27% des cas. Donc ça concerne un quart de la population togolaise. C'est grave, puisque c'est une valeur qui a évolué. En 2011, la même enquête a été faite et l'hypertension préoccupait les Togolais dans 19,7% des cas. Donc à partir de ce moment-là, on va dire que l'hypertension est une maladie préoccupante, puisque ses dégâts sont lourds. Nous les voyons dans les hôpitaux, nous les voyons dans les cliniques, nous les voyons dans les maisons. À chaque fois, on nous dit tel a fait un AVC ou une crise cardiaque. Les AVC, qui sont une des conséquences de l'hypertension artérielle, est présente dans nos populations sur environ 6000 personnes par an font un AVC. C'est ce qu'on sait. C'est les données recueillies et qui sont répertoriées dans les statistiques du ministère de la Santé. Alors, la moitié de ces personnes va mourir dans les 24 premières heures, soit dans les structures hospitalières, soit dans les maisons ou dans les voitures, dans les ambulances avant d'arriver à l'hôpital. C'est un drame, puisque ça concerne des personnes d'âge moyenne entre 45 et 50 ans. Mais on voit des personnes jeunes aussi qui sont victimes d'AVC. Alors, c'est un drame national. Ça ne concerne pas seulement le Togo. Ça concerne les autres pays et plus particulièrement le monde entier. D'où l'importance de la célébration de ces journées-là qui nous rappelle que nous devons veiller sur nous-mêmes. Et donc, en contrôlant au moins une fois l'an, lorsqu'on est jeune, la tension artérielle. Et lorsqu'on est âgé, je pense qu'on doit contrôler la tension au moins une ou deux fois par semaine, même si on n'est pas hypertendu. Et c'est très important. Et donc, cela me permet de faire cette transition en parlant des facteurs de risque de l'hypertension artérielle. C'est la sédentarité. Quand on est là, on ne bouge pas beaucoup. Ou quand on est gros, et quand on prend certaines habitudes alimentaires, à savoir lorsqu'on mange trop salé, lorsqu'on mange trop gras, ou lorsqu'on mange beaucoup de sucre. Alors lorsqu'on fait ça, on est dans cette zone rouge où il y a un désordre alimentaire, on est à risque de faire l'hypertension artérielle ou même de basculer directement dans les complications de l'hypertension artérielle. Alors, il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs qui peuvent nous protéger. La consommation de fruits et légumes. Ces fruits et légumes contiennent du sodium et du potassium. Et ces deux nous protègent. Lorsqu'on mange des fruits, donc on consomme du potassium qui protège le cœur contre les maladies cardiovasculaire dans l'hypertension artérielle ou les AVC et autres. Donc il est important de consommer des fruits et des légumes tous les jours. On doit consommer 5 portions de fruits et de légumes tous les jours. Et comme je le disais, lorsqu'on le fait, on est protégé. Et également, il faut boire suffisamment d'eau.
au moins 2 litres, 5, 3 litres d'eau par jour pour les personnes adultes, pour vous permettre de rendre fluide le sang et d'éviter la production de caillots de sang. La pratique du sport est au cœur de ces préventions et nous allons rendre hommage aux autorités nationales qui ont pu mettre en place la pratique du sport une fois par mois dans la population togolaise pour nous dire que voilà, trop c'est trop, il faut qu'on se protège. Et nous devons tous participer à ces activités-là, qui sont des activités protectrices. Voilà ce que je peux dire sur l'hypertension artérielle. Ce que je vais dire aussi, le 17 mai doit être un 17 mai tous les jours pour tout le monde. Rappelons-nous tous les jours que nous existons et que nous sommes venus sur Terre pour une mission et que nous devons vivre longtemps sans maladie pour pouvoir réaliser nos objectifs de vie. Excusez-moi de revenir sur l'alimentation. Comment s'alimenter pour éviter l'hypertension? Comment s'alimenter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas faire un excès alimentaire. Excès alimentaire sur le sucre. Par exemple, le matin, café et avec beaucoup de sucre, il faut éviter ça. L'huile, tout ce qui est gras. Lorsqu'on va manger la viande grasse en désordre, les brochettes, mettre du beurre, des omelettes tout le temps, tout le temps. Manger le sel en excès, les cubes en excès, il faut éviter. Et on recommande de consommer 5 grammes de sel au maximum par jour. 5 grammes de sel, ça veut dire 5 cuillères à café rase de sel par jour. Vous secouez la tête, c'est petit, mais c'est protecteur. C'est ça les données statistiques. Malheureusement, au Togo, nous consommons le double. L'enquête a révélé que nous consommons, chaque Togolais consomme 10 grammes de sel par jour. Nous devons réduire ça en diminuant ces facteurs-là. Quels sont les signes qui nous alertent qu'on a l'hypertension? L'hypertension peut ne pas entraîner des signes. Les signes, rien. Ça peut être des maux de tête inhabituels, violents, avec des vertiges. L'hypertension a des organes cibles qu'elle détruit, les yeux, les reins, le cœur, le cerveau. Et lorsque la vision commence à devenir un peu trouble, il peut s'agir de l'hypertension. Lorsque les reins souffrent, là on ne peut pas savoir. Quand on est en insuffisance rénale, la tension aussi peut augmenter. C'est un cercle vicieux. Et quand le cœur commence à battre en désordre, c'est que la tension a tellement agi là-dessus que le muscle du cœur est devenu très faible et ne fonctionne pas bien. Donc, on peut avoir l'hypertension et n'avoir aucun signe. D'où l'importance d'aller acheter un appareil à tension. C'est dans les pharmacies, c'est entre 20 et 25 000. Alors, à quel âge on peut avoir la tension? À tout âge, on peut retrouver l'hypertension, même chez le nouveau-né, qui peut avoir certaines maladies qui vont entraîner l'hypertension artérielle. Mais on a remarqué que plus on avance en âge, plus la tension augmente. Et donc l'hypertension augmente avec l'âge. D'où l'intérêt à 30 ans déjà qu'on puisse prendre des mesures pour surveiller sa tension régulièrement. Un dernier mot. Je voudrais dire merci à Radio Lomé qui, dans ses activités régaliennes, vient très souvent vers nous pour nous solliciter afin que nous donnions des conseils à nos populations pour que la prospérité que nous chantons dans notre hymne soit là tout le temps et que nous tous nous nous réjouissions dans notre vie, que nous étions nés, nous avons grandi et nous vieillissons sans maladie grave et terminer notre parcours en beauté, pas au lit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Nous vous disons également merci, Alice Berthe Barandao. Rappelez-vous, la journée mondiale de l'hypertension artérielle a été célébrée le 17 mai dernier. La haute magistrature togolaise et le peuple togolais pleurent leur président de la Cour constitutionnelle. Abdou Assouma a tiré sa révérence hier, 26 mai. Qui a-t-il été réellement pour notre pays? Son portrait signé Yao Kamake.
Né vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, Aboudou Assouma a été un haut magistrat du pays. Il a tiré sa révérence étant encore président de la Cour constitutionnelle. Parti très tôt en France pour ses études supérieures, il sortira en 1975, nanti d'une licence en droit et des sciences économiques de Toulon. Il regagne pour 2 ans l'école supérieure de la magistrature de Paris. Revenu au pays, l'homme fit son entrée dans l'appareil judiciaire togolais. Aboudou Assouma, du haut de sa grande taille, a été d'abord juge d'instruction en 1977, ensuite substitut du procureur de la République en 1981, puis procureur de la République en 1988. Avant sa nomination à la tête de la Cour constitutionnelle, le rempli homme de droit a été nommé ministre délégué auprès du premier ministre chargé des forces armées togolaises en 1992, et procureur de la République près la Cour d'appel de Lomé en 1993. Imminent magistrat, Aboudou Assouma en est un. Avec une corpulence imposante, il est fort apprécié pour son éloquence et son franc-parler sans crainte. Écho du palais, le nommé Amidou, âgé de 23 ans, marié et père de 2 enfants, est accusé de pédophilie sur la petite Nadia, 8 ans. Il a été condamné à 10 ans de prison. Le récit des faits, Hélène Assabi. Dans l'après-midi du 26 juin 2021, le nommé Amidou, habitué à faire des menus travaux au domicile de Dame Mariam, s'y est rendu en son absence et celle des autres occupants de la maison. Il se dirige vers une chambre dans laquelle il trouve la petite Nadia, âgée de 8 ans, endormie. Il déshabille l'enfant, puis la soumet au rapport sexuel. Réveillée par les douleurs qu'elle sentait au sexe, la fillette supprime Amidou en pleine relation sexuelle avec elle. Après avoir satisfait sa libido, il s'en alla, abandonna l'enfant à son triste sort. Au retour de sa grand-mère, la petite Nadia porte les faits à sa connaissance et immédiatement elle est conduite au centre hospitalier préfectoral de Saint-Cassé où la mère constate de son agression sexuelle a été faite. Déclarée coupable de pédophilie, Amidou a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Kara à l'audience du 15 février 2023. À samedi prochain, Hélène Assabi, préparatif des prochaines échéances électorales, les partis politiques renouvellent leur instance. Les électeurs de leur côté se mobilisent pour le retrait de leur carte d'électeur et le chef de l'État qui a assisté à l'inauguration d'une raffinerie à Lagos, au Nigeria. Revue de presse, Léontine Atogima. Le dialogue l'annonce à sa une. Fort Nyasimbe a assisté à la mise en service d'une raffinerie à Lagos le 22 mai dernier. Dangote Oil Refinery, cette infrastructure pétrolière, est un ambitieux projet intégré de raffinerie et pétrochimie au Nigeria, relate le journal qui poursuit en indiquant que cette initiative industrielle est l'expression de la contribution du secteur privé à relever les défis énergétiques et industriels de la sous-région et du continent. Le continent africain ne veut plus tout attendre des autres. Les Africains veulent visiblement prendre leur envol économique et industriel avec de nouvelles orientations politiques et surtout économiques à travers des initiatives de certains de leurs hommes d'affaires. C'est ce que note Chronique de la semaine de la mise sur pied de cette gigantesque raffinerie par le milliardaire nigérien Aliko Dangote. Comme surmentionné par l'apparition, ce méga raffinerie permettra aux Nigériens et au reste des peuples de l'Afrique de l'Ouest de sortir des soucis liés au manque de carburant. Liberté souhaite que le continent dispose assez d'hommes d'affaires à l'image d'Aliko Dangote pour plus d'initiatives de ce genre, d'où son exhortation à l'endroit du numéro 1 togolais, Monsieur le Président. Nous voulons aussi des Dangote au Togo. Flambeau des démocrates, de son côté, prend cette initiative nigériane pour une belle leçon de réussite dans les affaires. Abondant dans le même sens que Liberté, l'hebdomadaire relève que le Togo a aussi besoin du modèle d'Aliko Dangote pour son plein épanouissement.
et des hommes d'affaires, certes pas la taille de Dangote, mais capable, le Togo en comporte, souligne Flambeau des démocrates, qui rajoute qu'il suffit juste de les rassurer qu'ils ne perdent rien en dévoilant leur fortune, car il va de l'intérêt du pays et de ses habitants. L'intérêt des populations, c'est aussi d'avoir leur mot à dire dans l'organisation et le déroulement du processus électoral. Raison pour laquelle les Togolais en âge de voter se mobilisent pour avoir leur carte d'électeur. Le recensement électoral se poursuit dans la zone 2, rapporte Écho du pays. La CENI a mis les bouchées doubles pour la réussite de l'opération dans cette zone, rajoute Chronique de la Semaine. Aux côtés des électeurs, Chronique de la Semaine pointe du doigt la présence effective des politiciens, des autorités et des cadres de tous bords pour une grande mobilisation autour de l'opération. Méga Info réagit plutôt sur l'attitude des partis d'opposition, auto-étouffement et affaiblissement progressif de l'opposition togolaise avant les urnes, constate-t-il. Des remue-ménages au sein des partis politiques renchéris et Écho du pays qui soulève cette nécessité pour les partis politiques d'opposition d'organiser des congrès. Et cette attitude est bien remarquable depuis quelques semaines. Sans nul doute, une manière de se conformer aux dispositions légales d'une part et de préparer les élections à venir d'autre part, conformément à la nouvelle charte des partis politiques, mentionne l'hebdomadaire dans ses colonnes. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le journal magazine Pluriel de ce samedi s'est terminé. Merci à vous qui l'aviez suivi. Merci également à toute l'équipe qui a permis sa réalisation et sa diffusion. Bon après-midi à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radio Lomé.tg